Bonsoir à toutes et à tous. Et pour cette sixième émission, nous vous invitons tout d'abord à suivre le grand entretien avec David Le Breton. Puis ensuite, vous découvrirez les éditions Lire à l'Est, le Pythagore Édition et les éditions Dominique Guéniaud. Enfin, nous suivrons l'autrice illustratrice Karine Prache lors de sa rencontre avec les étudiants des filières graphiques du lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Mais venons-en maintenant à cette rencontre, David Le Breton, et merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation du Salon du Livre de Chaumont et de cette 18e édition. David Le Breton, je rappelle que vous êtes sociologue, anthropologue, professeur à l'Université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes l'auteur d'une œuvre foisonnante, riche, extrêmement passionnante, stimulante, avec comme centre de cette réflexion, de vos travaux, de vos ouvrages, la question du corps, la question de ses représentations, également celle des sens, des sensations. Vous avez aussi consacré un livre à la question du visage. Et puis aussi, il y a tous les aspects du corps à risque, des conduites à risque, de tout ce qui peut l'atteindre, la douleur par exemple. Et aussi, on voit comme fil rouge, finalement, à travers votre œuvre, la question de l'emprise technologique sur nos vies, qui finit par courir tout au long de cette œuvre très riche. Si vous êtes là aujourd'hui, dans le cadre d'une édition dédiée à la question de sport et littérature, c'est en tant que marcheur, qu'adepte de la marche, que penseur de la marche, une marche à laquelle vous avez déjà consacré trois ouvrages aux éditions Métellier. Le premier, c'était en 2000, si je me souviens bien, l'éloge de la marche. Ensuite, 12 ans après, il y a eu Marcher, éloge des chemins et de la lenteur. Et enfin, aujourd'hui, le livre le plus récent, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, toujours aux éditions Métellier. Avant d'évoquer la marche, j'aimerais qu'on évoque un petit peu quand même la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Vous qui êtes spécialiste du corps, vous qui êtes spécialiste des sensations, vous qui avez consacré, je l'ai dit tout à l'heure, un livre au visage, quelle réflexion vous inspire cette situation dans laquelle nous sommes plongés, cette situation de confinement, cette situation de distanciation sociale, celle-là même qui nous oblige, sauf exceptionnellement, comme maintenant, à porter un masque, celle qui nous empêche de prendre nos proches dans les bras, qui nous interdit toute forme d'embrassade. Notre rencontre elle-même, là, se fait sans public ou avec un très léger public, et elle va être médiatisée, mise en ligne. Elle l'est actuellement, au moment où nos auditeurs que nous imaginons, là, ils sont en train de nous voir, et nous ne pouvons, au moment où nous parlons, que les imaginer. Voilà, qu'est-ce que cette situation vous inspire ? Eh bien, nous sommes dans une phase de turbulence, en quelque sorte, où tous nos rythmes d'interaction volent en éclats. On a énormément de mal à se situer les uns devant les autres parce que d'abord, par exemple, la poignée de main, la bise, évidemment, ne sont guère recommandées dans le contexte. La proxémie, c'est-à-dire la distance d'interaction, elle est également en principe à 1 mètre, alors que dans la vie quotidienne, on est plutôt à 70-80 centimètres. Et puis, je pense que le pire de tout, c'est le masque quand même, parce que le masque liquide le visage, et le visage, c'est vraiment le lieu de la reconnaissance mutuelle. C'est à travers notre visage que nous sommes reconnus, que nous sommes nommés, que nous sommes associés à un âge, associés à un sexe, à une qualité de séduction, à une couleur de peau, etc., etc. Et soudain, nous entrons dans une société anonyme où nul ne peut plus reconnaître personne. Et déjà, donc, le problème de la reconnaissance se pose, et mes reconnaissances aussi quasiment au sens moral. Et puis l'autre faille introduite par le masque, c'est le fait qu'on ne peut plus suivre sur le visage de l'autre la résonance de nos propos. C'est-à-dire quand on a devant soi quelqu'un, qu'on lui parle, on ne sait pas du tout si cette personne est en train de sourire, en train de faire une grimace, en train de bailler, en train de s'ennuyer ou autre. Alors j'ai souvent entendu ces derniers mois qu'on pouvait sourire avec les yeux, etc. Pour moi, pas du tout, parce que depuis des mois, justement, je suis extrêmement observateur de tout cela. Je ne vois pas du tout une signifiance sur nos visages dissimulés par le masque. Je crois que le front et les yeux ne suffisent pas à faire un visage. Le visage est une gestalt, c'est une totalité. Si on supprime du visage un nez ou des lèvres
ou autre chose, il n'y a plus de visage, tout simplement. Il y a une forme anonyme, une personne anonyme, et en même temps, qui nous paraît inerte. Et j'ai fait déjà, depuis la rentrée, depuis septembre, j'ai fait quand même pas mal de cours à la fac devant des étudiants masqués, en étant moi-même masqué. J'ai fait aussi quelques conférences. Et à chaque fois, je sortais absolument épuisé et sidéré, parce que j'avais le sentiment d'un auditoire totalement inerte. Inerte. Alors je sais que ce n'est absolument pas le cas. Je sais que les étudiants vivent aussi les propos qu'on leur tient. Et je suis aussi un enseignant qui est extrêmement attentif et qui finalement trace son chemin de parole à travers ce que je perçois de la résonance de ces visages. Mais là, je n'avais devant moi que des étudiants immobiles et dont je voyais simplement les yeux, et c'était extrêmement déconcertant et une familière étrangeté d'une certaine manière. À la fois, il y avait tout ce que je connais, mais il n'y avait plus rien de ce que je connais d'habitude, quoi. Le visage avait disparu. Et le visage, bien entendu, c'est le commencement de la morale, c'est le commencement de l'éthique, quoi. L'éthique, c'est la prise en compte du visage de l'autre. Je suis capable de soutenir le visage de l'autre quand je lui dit quelque chose. Si je suis médecin, par exemple, si je fais un diagnostic et que je baisse mes yeux, j'introduis une faille dans l'interaction qui peut être dommageable. Donc on doit être capable, quand on a des responsabilités ou dans la vie quotidienne avec n'importe qui, on doit être capable de soutenir le regard de l'autre. Et donc, on est dans une relation de visage à visage. Mais là, évidemment, il n'y a plus de visage, et donc ça a aussi d'ailleurs introduit, toujours sur cette question de la morale, ça a introduit beaucoup d'incivilité, le port du masque. Hein. Je crois qu'on l'a tous vécu à un moment ou à un autre, à travers des gens qui grillent des files d'attente ou qui engueulent d'autres personnes parce qu'ils sont à 50 cm et pas à 1 mètre. J'ai assisté à des scènes totalement surréalistes comme ça, mais aussi beaucoup de femmes se sont plaintes du harcèlement qui s'est accru ces derniers mois, parce que l'anonymat favorise évidemment la lâcheté, la veulerie et donc des passages à l'acte d'un certain nombre de garçons qui ont rendu la vie assez compliquée dans certains transports en commun. Voilà. Et quels effets ce confinement ou ces confinements successifs ont eu sur la marche en elle-même, car c'est un temps d'interdiction, un temps où finalement on n'est pas censé aller au-delà de plus d'un kilomètre de distance de son domicile. On a vu pourtant, c'est paradoxal, mais finalement presque un retour à la marche dans les villes. Est-ce que vous l'avez constaté ? Oui, tout à fait. Des voisins qui ne marchaient jamais et qui allaient acheter leur pain en prenant leur voiture pour aller à la boulangerie à 500 mètres. On a vu de plus en plus de gens marcher dans la ville. Parce que du coup, la marche devenait une forme de liberté. C'était l'une des rares libertés qui demeure, cette heure, ce kilomètre canonique. Donc je crois que les uns et les autres, on en a profité. Alors c'était pas toujours... Alors là, il y a une espèce de hiérarchie des lieux, évidemment. Il vaut mieux vivre, par exemple, dans le centre-ville de Paris ou de Strasbourg, ou à la campagne, au bord de la mer, au bord d'un lac. Ça favorise les choses. Moi, je suis plutôt dans la banlieue de Strasbourg, à Schintigem, donc on a... C'est pas très... Depuis des mois, donc j'arpente, c'est plutôt des territoires de grands ensembles. C'est pas très réjouissant pour un marcheur. Bon, c'était en même temps très très chouette pendant le printemps, pendant le premier confinement, parce qu'il y avait des fleurs partout. Et on cheminait dans les rues sans voiture, ça c'était quand même miraculeux et merveilleux. Et on cheminait parmi les odeurs de lilas, par exemple, qui étaient un peu partout. Et puis on voyait beaucoup d'animaux, on voit énormément de chats qui se sont réappropriés l'espace. Il y avait d'innombrables oiseaux. C'était quand même une expérience très insolite et très belle, même si elle était ingrate, dans la mesure où il fallait finalement découvrir des rues où on n'avait jamais eu la curiosité d'aller, parce que de toute façon elle ne méritait guère également notre intérêt. Mais en même temps, il y avait cette nécessité d'une petite dépense physique dans un univers où l'on doit se garder en permanence. Ce qui a été une explosion lyrique formidable, c'est évidemment les premiers jours du déconfinement, parce que quand on a eu l'autorisation d'aller à une centaine de kilomètres, eh bien, je peux vous dire que dans les Vosges, où je vis une partie du temps, on n'a jamais vu autant de monde sur les sentiers.
Malheureusement, il y avait aussi des tonnes de voitures, parce que, évidemment, les forains ne sont pas forcément accessibles aussi à pied en partant de son village ou de sa ville. Mais en tous les cas, sur des sentiers qu'on parcourait avec ma compagne et on rencontrait jamais personne, là, on rencontrait une, deux, trois, quatre personnes. Et pendant tout l'été, ça a été comme ça. Dans des endroits totalement déserts et on aurait pu penser un peu inconnu, eh bien, on croisait des familles, on croisait des solitaires, on croisait des couples, on croisait des couples avec des enfants, avec des tout-petits, ce qui est une forme merveilleuse de transmission et d'éducation aussi à l'enfant, découverte du monde environnement, du monde animalier, des plantes, des arbres, etc. Donc voilà, c'est vrai que la marche a connu, en ce sens, un succès prodigieux. Et franco-français, mais j'imagine que c'était italo-italien... Voilà, hispano-espagnol, etc. On était tous coincés à l'intérieur de nos frontières. Et bon, je crois que ça a permis à des millions de Français de redécouvrir la beauté de leur territoire. Et puis voilà, à l'étranger, on y retournera, j'espère, très bientôt. Je rappelais en introduction le thème de cette édition qui est sport et littérature. Alors une question peut-être un petit peu provocatrice, volontairement. Est-ce que la marche est un sport? Est-ce que la marche relève, selon vous, de l'activité sportive? Pas la randonnée, en tous les cas. Disons que c'est une activité physique. Alors, par exemple, dans nos universités, on forme les professeurs d'éducation physique dans des STAPS. STAPS, donc sciences et techniques, des activités physiques et sportives. Vous voyez, il y a le « et ». Donc là, en l'occurrence, quand on marche dans les forêts ou dans les déserts ou quand on fait des marches urbaines, généralement, on n'est pas dans une activité sportive, dans le sens où il n'y a pas une quête de performance, on n'est pas en train de... On ne veut pas battre des records, on avance à son rythme, à la vitesse qui est la sienne. On peut très bien faire la sieste sous un arbre parce qu'il fait vraiment très chaud et qu'on a marché déjà depuis des heures. On peut s'arrêter pour regarder des fourmis traverser le sentier pendant un quart d'heure. Personne sur votre dos, vous n'avez pas un entraîneur derrière vous qui vous dit, et le chrono pendant ce temps-là tourne. Non. Donc pour moi, on n'est pas dans les ultra-trails, où effectivement des gens qui marchent peuvent marcher extrêmement vite. On n'est pas dans le Strasbourg-Paris, hein, la course Strasbourg-Paris qui, je crois d'ailleurs, n'existe plus, mais qui se faisait en marchant avec les techniques de marche qu'on connaît. Cette marche sportive, et qui est d'ailleurs une discipline olympique, pour moi est aux antipodes évidemment de la marche qui est plutôt de la marche dans les forêts, de la randonnée dont je parle, qui est plutôt une flânerie, c'est-à-dire vraiment l'anti-performance par excellence. Je rappelais tout à l'heure aussi que vous aviez déjà consacré 3 ouvrages à la marche, hein, dans les années 2000, dans les années 2010, et là, hein, tout récemment, en 2020, comme s'il fallait que chaque décennie s'ouvre par un essai sur la marche. Un petit peu aussi comme ces randonneurs dont vous parlez dans votre livre et qui sont amenés à refaire, par exemple, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou à le faire, mais par d'autres chemins. Et d'où venait cette nécessité là pour vous de remettre l'ouvrage sur le métier et d'écrire ce troisième livre? Alors, le premier, il est né après la rédaction de L'Adieu au corps, hein, qui était un livre où je faisais une critique, entre guillemets, une critique anthropologique de ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. C'était l'un des premiers, d'ailleurs, à aborder frontalement cette question de ces hommes, pas des femmes. Les transhumanistes sont dans leur immense majorité des hommes qui considèrent qu'il faut liquider le corps, que le corps est superflu, surnuméraire, qu'il ne sert à rien, sinon à nous encombrer dans la vie quotidienne. Et donc dans ce livre, j'avais traqué les propos de ces chercheurs, de ces scientifiques, et je vous avoue, j'ai eu beaucoup de plaisir, comme dans tous mes livres, à l'écrire, mais en même temps, j'étais un peu saturé de lire ce discours hyper puritain de haine, vraiment, du corps, hein, de haine du corps, et notamment d'ailleurs de haine du corps de la femme. C'est pas pour rien que ce sont aussi des gens qui ne veulent plus que ce soit les femmes qui mettent des enfants au monde.
sont plutôt favorables à des gestations dans des machines, etc. quoi. Et donc, pour sortir de cet univers un peu triste, je me suis précipité dans la littérature de la marche. Je voulais ressentir à nouveau le sentiment d'être vivant, d'être réel, d'être immergé dans le monde. Et j'ai relu d'innombrables textes littéraires, donc de marcheurs, de Pierre Sansot à Rimbaud, à Bachot, Jacques Lacarrière, l'immense Jacques Lacarrière. Et soudain, la marche commençait à prendre un petit peu son essor. En 2000, on n'est pas encore dans le succès sociologique qui va venir quelques années plus tard. Mais je me disais, c'est vraiment un très très beau sujet. Ça faisait déjà des années que je marchais énormément dans les Vosges, mais que je marchais aussi dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Je suis un très grand voyageur et donc je pense de toute façon qu'on ne peut découvrir une ville, par exemple, qu'en marchant. Donc j'ai toujours arpenté les villes sans fin, et depuis que je suis adolescent, j'ai déjà à 16-17 ans, je passais des journées entières en faisant du stop et découvrant une ville. Je marchais du matin au soir pour m'approprier en quelque sorte son atmosphère. Et puis après, j'ai marché évidemment davantage dans les forêts, etc. Donc dans ces années 2000, j'avais envie de parler de ça. Et c'était une manière aussi d'échapper au code de la sociologie et de l'anthropologie. Alors non pas que je sois un auteur académique, on m'a toujours dit le contraire, que mes livres se lisaient, qu'ils étaient agréables à lire, et je sais que certains de mes collègues n'apprécient pas trop effectivement que je cite énormément d'écrivains ou de cinéastes, parce qu'à leurs yeux ça ne fait pas très sérieux. Bon, mais enfin peu importe, en tous les cas, c'est mon chemin d'être reconnaissant, je veux dire, à d'innombrables écrivains ou cinéastes qui m'ont appris à comprendre le monde beaucoup mieux que beaucoup de sociologues. Mais j'avais envie donc de me libérer de ce code et puis d'écrire un peu à bâton rompu, avec le bonheur de pouvoir citer tout un tas d'écrivains. Voilà. Donc ça a été Éloge de la marche en 2000, que j'ai bâti. Finalement, ça a été un peu le modèle entre guillemets des autres livres, et même celui sur le vélo d'ailleurs. C'est-à-dire comme si nous étions un groupe de randonneurs, nous cheminions ensemble, et puis on se pose toute une série de questions autour de la marche. Alors par exemple, où est-ce qu'on va s'arrêter pour manger à midi ou plus tard, hein. Voilà, donc par exemple Pierre Sansot va raconter une anecdote, Rimbaud une autre, un autre écrivain va raconter autre chose, Stevenson venait raconter une fois où il a perdu toute sa nourriture, je sais pas, voilà. Et donc où est-ce qu'on va dormir ce soir? Alors, moi, une fois, j'ai dormi dans la forêt, c'était terrible, j'ai eu peur. Ça a été un moment absolument merveilleux. Donc j'ai conçu le livre comme une espèce de, pas un dialogue, c'est pas un dialogue, c'est un livre extrêmement écrit, mais où j'ai donné la parole à énormément d'auteurs de tous les âges. D'ailleurs, Bachot, c'est le Moyen-Âge, le début de la Renaissance, si ma mémoire est bonne, japonaise. Et puis il y a plein d'autres auteurs donc qui n'auraient jamais pu rencontrer Bachot. Mais en tous les cas, il y a cette espèce de structure anthropologique qui fait qu'on est confronté, on est dans un corps à corps avec le monde, avec un rythme qui nous appartient, et on est dans la contemplation, on est dans le plaisir d'exister, dans le plaisir du partage, ce qui fait que c'est très facile de passer d'une citation à l'autre. Et puis moi, je donne mon point de vue, évidemment, à plein de moments, je raconte des anecdotes personnelles, je fais de temps en temps des analyses également, voilà. Et puis, quelques années plus tard, ça a été le début donc de l'engouement sur la marche, et ça a été ma rencontre aussi d'ailleurs avec Bernard Olivier, parce que j'avais écrit une petite recension sur le premier de ces trois grands livres sur la longue marche, et puis lui-même avait lu Éloge de la marche et il avait été passionné. Donc on s'était écrit, je crois, puis on s'était rencontrés. Ça a été le commencement d'une amitié qui s'est poursuivie après par ma présence, en tous les cas, pas autant que la sienne, évidemment, mais dans l'association Seuil, hein, qui fait marcher des mineurs délinquants sur 2-3 000 km en alternative à la prison. Bon, et depuis, donc, ouais, ça fait une vingtaine d'années, nous sommes un peu en dialogue, en échange. Et puis, donc, quelques années plus tard, ça a été marcher Éloge des chemins et de la lenteur. J'avais la nostalgie de ce bonheur d'écriture, de ce bonheur de lecture. J'ai eu envie d'y revenir. Et voilà. Et puis troisième étape, c'était marcher la vie.
Ça a été plus fort que moi, d'une certaine manière, parce que j'étais en train de terminer un autre livre, une anthropologie du sourire, qui d'ailleurs est terminé sur les armoires depuis plus d'un an, mais qui sortira dans les mois à venir. Mais entre-temps, donc, j'ai réécrit sur la marche, parce que je voulais encore à nouveau revenir, avec le sentiment que je n'avais pas encore tout dit. J'avais encore plein de choses à dire, et ça a été marcher la vie. Et en même temps, comme une forme d'alternative morale, finalement, au monde d'aujourd'hui, d'où le sous-titre, hein, « Un art tranquille du bonheur », une manière de rappeler que le bonheur est au bout de la rue, hein, l'aventure est au bout de la rue, et beaucoup dans un monde qui devient de plus en plus amer, où on voit monter les inégalités sociales, les injustices, la paupérisation, etc. Il y a aussi quand même à portée de main les forêts, une possibilité de retrouver le goût de vivre, le goût de l'échange, de se sentir à nouveau vivant, quoi, comme tous les marcheurs. Voilà, donc sortir des impasses souvent qui sont les nôtres dans la vie courante. Ah, et puis une autre chose quand même qui me tenait beaucoup à cœur, c'est de rappeler combien la marche était guérison. Et d'ailleurs, le fichier du livre, je l'avais appelé « Marcher guérison », d'un bout à l'autre, parce que je vois toujours la marche comme une forme donc, de reconquête du goût de vivre, déjà. Bon, et ça a été d'ailleurs l'histoire de Bernard Olivier, mais de tellement d'autres. Bernard Olivier est parti sur les chemins de Compostelle après avoir tenté de se tuer en pleine dépression, etc. Puis au fil du temps, il a retrouvé la jubilation de vivre. Mais ce que décrivait Bernard Olivier, moi je l'ai entendu des centaines de fois, mais pour d'autres choses. Des fois c'est se battre après un cancer, retrouver le goût de vivre après des chimiothérapies qui ont duré pendant des mois, et se retrouver à nouveau dans la respiration, dans le plein vent du monde. Et puis d'autres personnes qui sont en séparation, qui sont en deuil, qui sont en pleine déprime, au chômage, etc. Donc des millions de gens partent pour se reconquérir et se reconquièrent très vite. On aura compris effectivement que cette approche de la marche est une approche hédoniste et non pas puritaine, non pas une ascèse. Vous parliez du succès planétaire de la marche. En effet, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on lit votre livre, on se rend compte que c'est une conquête assez récente. Comment vous l'expliquez, ce succès récent ? À quoi réagit-on en allant marcher ? On en a marre d'être une humanité assise, une humanité affaissée et assistée technologiquement ? Oui, c'est exactement ça. Depuis jusqu'au début, finalement, des années 2000, on était totalement sous la dépendance de la voiture et d'innombrables technologies qui nous ont fait entrer dans cette humanité assise qui est devenue la nôtre, avec un corps inutile, entre guillemets, donc qui fait évidemment un argument majeur des transhumanistes. À quoi nous sert le corps aujourd'hui ? Il nous ralentit, il nous encombre, il faut le nourrir, comme disaient certains, il faut même se reproduire, ce qui leur paraît le comble de l'horreur. Tout ça, pour eux, c'est une perte de temps. Mais je crois que de plus en plus, on souffre justement de cette immobilité, on souffre de cette fatigue nerveuse, entre guillemets, qui est la nôtre au quotidien. Parce que quand on prend sa voiture, ça veut dire qu'on est coincé en permanence dans les embouteillages, on a du mal à trouver des parkings. Toutes les politiques urbaines aujourd'hui visent à dissuader les automobilistes d'arriver dans les centres-villes. Donc prendre sa voiture, ça devient de plus en plus infernal. Et on en sort de plus en plus épuisé. Et l'emploi du temps de beaucoup de nos contemporains, c'est se lever le matin pour s'installer derrière le volant de leur voiture, se mettre devant l'écran d'ordinateur, et le soir, en rentrant chez eux, ils s'installent devant la télévision. Donc le corps, effectivement, est vraiment rendu très passif. Donc la marche, c'est une manière de sortir de sa voiture, de sortir de soi, d'aller au-devant du monde. C'est une reconquête sensorielle, physique. Alors bien sûr, on pourrait parler de façon très utilitariste de la santé. J'ai jamais parlé de ça dans mes livres parce que je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que c'est en même temps une manière d'être dans une bonne santé, quoi, de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa vie. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui marchent sur les longues marches vers Compostelle, la Francigena en Italie, etc., au début ils ont du mal, hein, leurs muscles ne sont pas du tout accoutumés à ces longs efforts, et puis après 3, 4, 5 jours, d'un coup ils sentent une sorte d'envie
vol de bien-être grandissant. Alors beaucoup perdent du poids, ce qu'ils cherchent désespérément souvent à faire dans les vies quotidiennes en se privant de nourriture. Là, ils peuvent manger à leur faim parce que de toute façon, ils se sont beaucoup dépensés. Donc ils ont faim, ils ont soif, ils retrouvent le sommeil parce qu'on n'est plus dans les tensions nerveuses, mais dans une bonne fatigue. On remplace la fatigue nerveuse par la bonne fatigue, cette fatigue jouissive qui fait qu'on a la fringale quand on va manger, on a le bonheur de s'endormir, le bonheur de prendre une douche ou de prendre un bain ou de se baigner pendant l'été. Moi, je ne connais rien de tel qu'une baignade dans l'eau fraîche après avoir marché pendant des heures. On se sent dans un bien-être incroyable. Voilà. Puis après, donc vous avez le plaisir de, même si vous mangez un simple sandwich, vous allez penser que jamais dans votre vie vous n'avez mangé un sandwich aussi fabuleux. Quoi. Mais parce qu'on mange avec faim, on dort avec fatigue, etc. Alors nos sociétés sont selon vous marquées par la séparation, par une série d'ailleurs de séparations que je vais vous inviter à nous décrire. Et marcher, ce serait finalement, toujours à vous lire et à vous écouter, renouer avec le monde, avec la nature, avec les animaux, avec également les plantes. Et à quand remonte cette séparation, comment elle s'est construite et en quoi marcher nous permet justement d'y remédier? Ça, c'est une longue histoire, parce que c'est toute l'invention du corps dans nos sociétés occidentales. C'est le passage de l'univers médiéval et renaissant, où il y a une sorte de flamboiement du monde. C'est le monde de Rabelais, donc c'est un monde où il y a un bonheur d'exister, de manger, de faire l'amour, de se dépenser, etc. Et on passe de Rabelais à Descartes en quelques décennies, et c'est vraiment un changement d'univers absolument radical. Et entre-temps, il y a eu l'entreprise anatomique. Je vais très très vite, évidemment. C'est ce que j'ai beaucoup plus longuement analysé dans plusieurs de mes livres, dont Anthropologie du corps et modernité notamment. L'invention du corps, c'est une rupture, une séparation avec le monde environnant, avec le cosmos. Les hommes du Moyen-Âge ou de la Renaissance avaient le sentiment d'une appartenance au monde, d'une appartenance cosmique. Et tout d'un coup, on en arrive à Descartes qui dit « la nature, il faut que nous en lui fassions rendre gorge, nous devons rendre utile ». J'ai plus, soudain la formule m'échappe, mais en gros, il dit que nous devons rendre la nature utile à l'homme. Elle n'est plus là pour l'émerveillement, dans une sorte de compagnonnage. C'est le moment où Descartes décrit également les animaux comme des machines, alors que l'univers médiéval encore, par exemple, juge des animaux. On fait des procès contre des chiens qui ont mordu des gens, contre des porcs qui ont provoqué des accidents, etc. Donc il y a une sorte, il n'y a pas un sentiment d'une fracture entre le monde animal et le monde humain. Et puis c'est la séparation avec les autres, c'est l'émergence de l'individualisme occidental. On est de moins en moins dans le nous autres qui caractérise encore plus ou moins l'univers de la Renaissance. On entre progressivement dans l'univers du moi personnellement je, et le corps va être la résultante. Le corps est un reste en quelque sorte. Quand on a fait le deuil du cosmos, quand on a fait le deuil des autres, et quand on est coupé entre soi et son corps, quand je dis mon corps par exemple, c'est d'une abstraction absolue, je suis ma personne, je veux dire, je ne me promène pas avec mon corps, je suis mon corps. Voilà. Et alors, pour revenir à votre question et pour y répondre très vite, les marcheurs sont des hommes ou des femmes qui se retrouvent à nouveau dans un sentiment d'immersion dans le cosmos. C'est-à-dire, ils se sentent appartenir au monde. Ils ont l'impression parfois d'être attendus par les collines, par les forêts, par les lacs, etc. Ils se sentent évidemment ne faire qu'un avec l'univers animal qu'ils regardent avec émerveillement. Quoi. Quand vous apercevez un renard, un chevreuil, c'est une émergence de sacré finalement dans votre vie quotidienne, ça vous arrête net, alors que parce qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir ces animaux. Voilà, et puis on est dans ce sentiment, on a l'impression d'être une créature dans le monde. Voilà, vous regardez la nuit qui tombe, vous regardez le jour qui se lève, la pluie qui tombe, vous dites mais j'existe, je suis sur la terre, c'est extraordinaire. On n'est plus du tout dans le monde de la coupure, de la séparation. Mais ils peuvent se sentir effectivement accueillis, appelés, mais ils peuvent également se sentir menacés, voire repoussés, voire refusés.
C'est rare, oui, c'est vrai, mais vous avez raison. Je cite un certain nombre d'exemples où il est arrivé que des marcheurs se sentent repoussés par certains lieux. Il y a un moment célèbre dans la littérature de la marche avec le grand Soro, qui est sur l'un des sommets de la côte est, qui porte un nom difficile à prononcer. Je ne le dirai pas, mais en tous les cas, oui, il a largué ses compagnons de route, et puis il est tout seul. Il arrive sur les sommets. Et il est dans la brume et soudain il se dit mais ce n'est pas à la place des hommes et il rebrousse chemin. Nicolas Bouvier raconte aussi d'ailleurs à plusieurs reprises des épisodes comme ça où il n'y a pas une menace tangible devant soi, il y a le sentiment de ne pas être à sa place. Alors j'aime bien dans ces cas-là utiliser la métaphore du génie des lieux, hein, ou de l'esprit des lieux. C'est-à-dire le fait qu'on a le sentiment, par exemple, qu'on est bienvenu dans certains lieux, qu'on est attendu, je le vois un peu comme si les dieux vous ouvraient leurs bras, comme si le génie des lieux était tellement content que vous baladiez dans le coin, hein, qu'il vous accueille. Et à ce moment-là, vous baignez dans une sorte de plénitude intérieure. Dans d'autres lieux, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas du tout à votre place. Et vous dites, il faut que je m'en aille le plus vite possible. Vous ne voyez, il n'y a rien qui vous menace, hein, mais l'ambiance, c'est une sorte d'atmosphère, c'est une sorte d'ambiance. Vous vous dites, il faut que je parte d'ici aussitôt. Mais ce sont des moments quand même beaucoup plus rares que ces moments où de coïncidence finalement avec le monde, de réconciliation même qu'on éprouve avec le monde. Surtout quand on est une personne, par exemple, qui est un peu en porte-à-faux à cause de la maladie, de la séparation, du deuil, je ne sais pas. Là, tout d'un coup, il y a vraiment le sentiment que toutes les fractures se sont effacées. Vous appartenez profondément au monde. Vous retrouvez votre place qui a été pourtant tellement menacée pendant longtemps. Vous avez évoqué, mais très rapidement, la question du sacré. Je vais vous citer, toute marche commence en randonnée, mais se mue peu à peu en pèlerinage. Alors qu'entendez-vous par là? Quel rapport faites-vous justement entre marche et sacré? Et si la marche devait être une religion, serait-ce un monothéisme, un polythéisme, un animisme? Oui, alors c'est vrai qu'on peut dire une marche, ça commence comme une activité physique, et puis progressivement, on plonge dans ses pensées, on plonge dans son intériorité, on découvre plein de choses sur son chemin, et on est soudain très très loin. Et progressivement, on se dit que le monde nous appartient, on se dit qu'on a sa place dans le monde. Donc c'est ça que j'appelle un pèlerinage, quoi. Parce qu'un pèlerinage, il n'a pas besoin d'être mené vers un dieu. Je crois que les monothéismes, à mon avis, sont moins propices à la marche que les polythéismes. Et d'ailleurs, une question qu'on posait à Bruce Chatwin, on disait, quelle est votre religion? Et Bruce Chatwin disait, je verrai bien quel sera mon Dieu aujourd'hui. Il disait ça en substance, en quelque sorte. Parce que je crois que les marcheurs, finalement, sont davantage dans le polythéisme, dans l'animisme, dans un mélange comme ça, où on a du mal à savoir où on en est, mais où on a le sentiment quand même que quelque part, il y a une forme de transcendance. Alors certains vont l'appeler le dieu catholique ou le dieu protestant, le dieu chrétien ou le dieu du judaïsme ou de l'islam, mais d'autres vont préférer maintenir en suspens en quelque sorte cette forme de transcendance, mais qu'ils vont vivre de façon très intense sur les chemins de Compostelle ou sur la Francigena, même s'ils ne connaissent pas très bien la vie de François d'Assise ou de Saint-Jacques de Compostelle, ils seront quand même dans une forme intérieure de pèlerinage. Alors vous l'avez aussi évoqué rapidement tout à l'heure, il y a effectivement le développement depuis quelques années de démarches qui sont des démarches de réinsertion à destination de jeunes en difficulté. C'est effectivement une des nouveautés, en tout cas un des points très développés dans ce dernier livre par rapport à vos deux essais précédents sur la marche. Et j'aimerais bien vous entendre nous parler de ces démarches et de leurs résultats, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y a des échecs également. Pas d'échecs, non.
Non, parce que la marche, finalement, je crois, guérit toutes les blessures. Bon. Et là, donc, nous avons affaire à des mineurs qui ont des problèmes avec la justice et à qui le juge pour enfants peut proposer donc, une peine de prison ou une peine dans ces structures fermées où on met ensemble des adolescents ou alors une longue marche. Et donc, un certain nombre de ces jeunes choisissent la longue marche et pendant deux mois et demi, ils vont être plongés dans un univers sans portable, fondamental, sans portable, sans musique. C'est-à-dire qu'ils vont renouer avec ce qui pour eux n'a jamais existé véritablement, la conversation et le silence. Hein, puisque ce sont des gamins qui tiennent les murs d'ailleurs dans leur quartier, qui sont en permanence prosternés, et j'emploie exprès un vocabulaire religieux parce que je pense que le monde d'aujourd'hui est en adoration devant ces formes de techniques qui détruisent aussi, à mon avis, profondément le lien social. En tous les cas, ces gamins donc, ont passé leur vie à regarder leur portable et à faire un certain nombre de mauvais coups dans les parages, et là on leur propose donc de s'affranchir de cela et de cheminer avec un compagnon ou une compagne de route pendant des mois et des mois, mais pas tout seul évidemment, parce que ça, dans le monde d'aujourd'hui ça poserait des problèmes de politiquement correct de livrer un ado ou une ado pendant des mois à un ou une adulte. Donc c'est un dispositif qui est très suivi par l'association Seuil, où toutes les semaines il y a des contacts téléphoniques, et puis à un moment donné les gens de Seuil viennent à la rencontre des deux marcheurs, et puis pendant une semaine le jeune va marcher avec quelqu'un d'autre pour justement relativiser un peu ce qu'il est en train de vivre avec l'autre personne. Puis ça permet aussi d'ailleurs éventuellement à l'autre personne de souffler un peu pour se renouveler, pour réfléchir, etc. Voilà, le résultat est merveilleux parce que je crois qu'il y a eu une ou deux récidives sur l'ensemble, sur les centaines et centaines, les milliers sans doute, j'ai plus en tête le chiffre de jeunes qui ont marché. Il y en a deux ou trois seulement qui ont renoncé, mais là ça renvoie vraiment à des ados effectivement qui n'ont pas énormément de persistance dans leurs efforts. Parce que n'importe qui fait une longue marche, évidemment, les premiers jours va avoir mal aux jambes, mais n'importe qui, à moins d'être un bon sportif. Mais si vous marchez trois quarts d'heure de suite, forcément, vous aurez un peu mal dans les jarrets, mais progressivement, ça va s'effacer. Puis après, même, vous allez marcher pendant 6 heures et vous allez avoir du mal à vous arrêter, parce que vous arrêtez parce que le village est là, parce que vous avez un gîte ou un hôtel de réservé, mais vous dites, ah là, j'aurais bien continué encore 10 kilomètres aujourd'hui. Voilà, donc il y a ces formes de remise au monde, de renaissance, dont la marche est prodigue, et c'est pour ça que c'est utilisé de façon merveilleuse, donc, dans ces formes de réinsertion de ces jeunes, mais aussi avec des détenus, dans d'autres contextes. Il y a d'autres expériences sont menées avec des détenus, ou avec des adultes. Parfois. On fait aussi d'ailleurs marcher des personnes qui sont malades, qui sont des personnes handicapées, etc., pour les remobiliser contre la maladie, leur redonner aussi une santé physique, une alliance aussi, parce que souvent, là, dans ces cas-là, ils marchent en groupe, hein, 5, 6, 10 personnes, parfois même ils marchent en haute montagne. Hein. Il est arrivé qu'ils fassent même un certain nombre de sommets relatifs. Sinon, ils ne vont pas marcher. Des personnes handicapées ou en proie qui se battent contre un cancer ne vont sans doute pas escalader l'Everest. Mais en tous les cas, des pentes assez sévères. Et là aussi, ça donne des résultats merveilleux en termes de rencontres, en termes de retrouvailles avec une très très bonne forme physique. Et puis, ce sentiment qu'on peut affronter toutes les difficultés, qu'on a en nous toutes les ressources pour aller très loin, beaucoup plus loin qu'on ne l'imaginait. Finalement, il y a quelque chose de paradoxal avec la marche. La marche, pour partir dans une grande marche, il faut accepter de se détacher de soi, de se débarrasser de soi, ou en tout cas d'une grande partie de soi. Mais c'est effectivement dans l'objectif de mieux se retrouver à la fin. Oui, parce qu'en fait, c'est se débarrasser des routines qui alimentent notre vie quotidienne et qui font qu'on est en permanence dans la répétition. Donc quand on rompt avec ça et qu'on s'en va sur les chemins, j'ai envie de dire qu'on laisse derrière soi tous les soucis qui sont les nôtres. En fermant la porte derrière soi, on a laissé les tracas, les problèmes innombrables de la vie quotidienne. Et on va vers un monde qui vient, dont on ignore encore de quoi il sera fait. Donc on est ouvert au monde. Et à ce moment-là, on arrête de ruminer. Quand on est chez soi, on est dans la rumination. Et on tourne en rond. Et non, c'est logique, on tourne en rond dans son appartement, dans sa maison, on se retrouve devant son ordinateur et on le rallume, ou devant son portable. Là,
Quand vous êtes sur le chemin, vous oubliez l'ordinateur, vous oubliez le portable, vous avancez. Et donc vous avez une intériorité qui fuse absolument partout. Et soudain, vous trouvez des solutions qui vous paraissent lumineuses alors que vous vous battiez sur ce problème depuis des mois. C'est pour ça que toute marche est guérison. Il s'agit d'échapper aux routines, aux conventions, à tout ce qui nous efface finalement dans la vie courante, pour essayer de se renouveler, de se réinventer. Alors en arrivant tout à l'heure à Chaumont et au moment de se rencontrer, vous m'avez très gentiment offert votre dernier livre que j'ai découvert du coup en roue libre aux éditions Terre Urbaine, qui est une anthropologie sentimentale du vélo, dont nous avons convenu que vous en parliez un petit peu et qu'en avant-première, ou presque en avant-première, vous nous disiez quelques mots sur ce nouvel essai. Oui, alors effectivement, je suis un cycliste aussi, pas un randonneur cycliste. Je crois que je suis davantage un marcheur quand il s'agit de randonnée. Mais en revanche, dans la ville où je vis à Strasbourg, je suis en permanence en vélo. Je n'utilise vraiment jamais ma voiture. Et puis je vais parfois à pied, bien entendu. Mais le vélo est vraiment un outil absolument merveilleux pour se déplacer, en étant sûr d'arriver à l'heure. C'est-à-dire quand j'ai un rendez-vous quelque part en ville, je sais très bien que je peux partir 10 minutes ou un quart d'heure avant ou une demi-heure avant, selon les distances que j'ai à parcourir, parce que je sais que je n'aurai aucun embouteillage sur mon chemin, je n'aurai pas une longue recherche à faire sur un parking, pour trouver un parking. Je sais à peu près où j'en suis. Et d'ailleurs, je m'aperçois que quand je vais à la fac, par exemple, en partant de chez moi, de Schiltigheim, je mets à peu près une vingtaine de minutes en vélo, mais je mets pratiquement une demi-heure en voiture. Hein, et je mets une quarantaine de minutes à pied. Donc finalement la voiture est vraiment totalement à côté d'une certaine... Et puis en plus, je sais que chaque fois que je prends ma voiture, enfin les très très rares fois où je prends ma voiture, j'arrive un peu tendu chez moi. Alors que quand je prends mon vélo, j'arrive en pleine forme, évidemment, parce que si je me suis levé le matin et que j'ai des cours à faire, bon, ça m'a fait une très bonne activité physique, une vingtaine de minutes de bon exercice, donc j'arrive en pleine forme pour faire mon cours. Quand je rentre chez moi, je dis finalement les tensions que j'ai pu accumuler dans la journée en retrouvant un corps à corps avec le monde. Voilà, donc pour moi le vélo c'est vraiment l'art du déplacement en ville d'une certaine manière, parce qu'on associe à la fois la possibilité de découvrir une ville avec avec une certaine lenteur. C'est vrai qu'on va quand même plus vite quand on va à pied, mais en même temps on peut s'arrêter quand on veut, etc. Puis on peut parcourir pas mal de choses. Moi j'aime bien associer finalement la marche et le vélo, qui sont deux manières, deux formes de découverte du monde, mais où on est fondé sur ses propres ressources. On ne doit rien à la technique, on doit simplement à soi, à son rythme. Voilà. Quand vous êtes en voiture, ce n'est pas vous qui décidez de votre rythme, parce qu'il y a des voitures devant vous et derrière vous, et si vous allez trop lentement, vous allez vous faire klaxonner, si vous allez trop vite, vous êtes en infraction. Là, en vélo ou à pied, vous allez absolument à votre guise, vous pouvez aller vite si vous en avez envie, enfin vite en vélo, c'est vite dit, mais... Et marche et vélo sont également deux merveilleux objets littéraires, on le sait. Pour conclure cet entretien, David Le Breton, accepteriez-vous de nous lire le tout début de Marche et la vie, un art tranquille du bonheur ? Très bien, merci. Donc je vais lire les premiers paragraphes d'ouverture. Comme Ulysse, il est nécessaire parfois d'accomplir le tour du monde et de se perdre en mille folies avant de rejoindre Ithaque, même si l'issue était au flanc de la colline d'à côté ou sur les berges du fleuve à deux pas de sa maison. Il fallait ce détour, parfois au bout du monde, pour en prendre conscience. Ce lieu est toujours innombrable, car nous ne cessons de le chercher. Tout voyage participe de cette quête d'un lieu où exister se ferait en toute évidence dans une sorte de reconnaissance immédiate et de ravissement. Chacun cherche le lieu de sa renaissance au monde. Une sorte de magnétisme intérieur nous guide, une volonté de chance à saisir en toute confiance. Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin. Et là je cite Soro. Parfois, écrit Soro, c'est une trentaine de mètres que j'aimerais parcourir, comme si l'air qui souffle m'y attirait. Là, me dis-je, ma vie va venir à moi.
Comme un chasseur, je marche pour la trouver. Quand j'aurai derrière moi le versant sans arbre de la colline aux Érelles, alors vraiment, mes pensées s'épanouiront. Y a-t-il une influence secrète, une vapeur que le sol exhale, une vertu dans les vents qui soufflent ou dans toutes les choses agréables qui s'offrent là, ensemble, dans mon esprit ? Fin de la citation de Soro. On éprouve justement dans certains endroits le sentiment qu'il nous attendait et n'avait jamais cessé de nous hanter. Ce n'est pas une découverte, mais un retour. Le temps se dérobe, toute l'histoire personnelle converge vers ce moment. La lumière n'est plus celle qui baigne la vie ordinaire. Un autre monde, au sein duquel nous sommes sur le point de rentrer, se fait pressentir. Une autre dimension du réel s'ouvre, marquée par la sérénité, la beauté. Le silence y règne parfois. Le silence qui y règne parfois est un fleuve aérien qui enveloppe le marcheur, l'emporte dans son courant, affûte ses sens et élargit un sentiment de résonance sans défaut avec les mouvements du monde. Certains lieux possèdent peut-être une conscience et ils cherchent à dire aux passants leur plaisir de le voir arpenter leur domaine. Nous allons à leur recherche inlassablement. Sans doute faut-il parfois assister les dieux, les aider à resplendir lors de notre passage. Il fallait être là, à ce moment précis, pour que le paysage atteigne sa perfection, avec le sentiment qu'il attendait notre présence et n'est là que pour nous seuls, à la manière d'un don qui n'attend rien en retour, sinon ce sentiment de paix et d'alliance. Merci infiniment, David Le Breton. Bonjour, je suis Sema Kalechkaya, j'habite et je travaille à Chaumont et aujourd'hui je suis ici, au silo, au troisième étage, dans une pièce tendue de velours pour parler des pluies sauvages. Les pluies sauvages, c'est mon dernier roman, c'est un roman qui mêle un petit peu les genres littéraires. L'héroïne s'appelle Anne, elle est elle-même auteure de romans policiers, de thrillers. Elle vit à Paris et un matin, elle décide de tout plaquer pour prendre sa voiture et venir se réfugier en Haute-Marne. Alors la question est pourquoi Anne a-t-elle décidé de quitter sa vie parisienne ? Et l'autre question, c'est qui sont ces trois voisines mystérieuses qui habitent dans un château au fin fond de la forêt, le lecteur va effectuer un va-et-vient constant entre les rues de Chaumont et la forêt aux Marnaises qui nous entoure. Il suffit que vous preniez votre voiture et que vous alliez à l'extérieur de Chaumont. Vous êtes hypnotisé par cette ceinture de forêt, c'est une étendue qui va à l'infini, c'est un océan de verdure. Écrire la forêt, c'était pour moi une façon de me désenvoûter de la forêt. Je m'occupe de la maison d'édition Lire à l'Est, qui regroupe deux maisons d'édition, donc les éditions Le Pythagore et les éditions Dominique Guéniaud. Le livre de Sema Kiliskaya, là on est sur un roman extrêmement bien écrit. Sema a une plume qui est étonnante. Dans le cadre des deux ouvrages que nous, on a, Lire à l'Est, qu'on présente pour ce salon du livre de Chaumont, je pense qu'on est vraiment, on ne peut pas être plus ancré en Haute-Marne et à Chaumont. Le roman de Sema Kiliskaya se passe à Chaumont et De Gaulle et la Haute-Marne se passe en Haute-Marne. Étant donné que le roman se passe à Chaumont, en Haute-Marne, dans les forêts haut-marnaises, ça semblait logique et approprié que ce soit Lire à l'Est, Le Pythagore qui le publie. De même que c'était approprié qu'on ait Richard Pelletier, le photographe de la ville de Chaumont, qui fasse la couverture. Je ne pouvais pas rêver mieux.
Je m'appelle Karine Prêche, je suis auteure illustratrice depuis pas longtemps. Je suis diplômée d'école d'art depuis 3 ans maintenant. Et j'ai écrit et illustré un livre jeunesse qui s'appelle Le Centre du Monde et qui est sorti aux éditions Helium il y a 1 an. Le Centre du Monde, donc, c'est un album jeunesse illustré en collage de papier découpé dans une veine très minimaliste. Et c'est inspiré du mythe de Narcisse. Et ça se passe dans l'espace, c'est le soleil qui découvre son reflet sur Terre. Je suis au lycée Charles de Gaulle à Chaumont, en Haute-Marne, et je suis là pour rencontrer les étudiants en BTS graphisme, voilà, pour qu'on ait un échange, une discussion, pour que je leur parle de mon métier aussi. Il y a pas mal de questions, j'étais étonnée. Il y a des questions sur les techniques que j'utilise en dessin, des questions sur comment j'organise mon emploi du temps, en travaillant en tant qu'indépendante, quel est mon statut aussi à l'administratif. Ils ont vu qu'il y avait des projets qui se passaient en Martinique ou au Japon, donc ils me demandent aussi pourquoi ces régions du monde, comment je me suis retrouvée là-bas et pourquoi je travaille dessus. Ils m'ont demandé si le livre avait été traduit. Enfin voilà, c'est des questions assez diverses. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les élèves et Karine Prêche. On était assez curieux, pas forcément sur le livre en soi, mais surtout sur le métier en fait, d'illustrateur, sur sa sortie d'école, même d'ailleurs sur son parcours scolaire. Moi, j'ai posé plus de questions sur ce qu'elle avait étudié au Japon, et c'est un pays qui m'intéresse fortement. C'est un pays qui est très traditionnel, donc il faut parler japonais. Et elle, qui ne parle pas japonais, s'en est sortie. En fait, ça va me permettre de m'en renseigner justement et de voir si c'est possible après mes études. Moi, j'ai posé la question sur quel rapport avec les maisons d'édition qu'elle avait, s'il y avait d'autres alternatives à ça. Et elle disait qu'elle préférait travailler du coup avec les maisons d'édition pour le côté humain et ce que pouvait leur apporter leur avis, un peu d'expert par rapport au livre. C'est très important que des professionnels viennent à notre rencontre puisque on est en fait en formation initiale, on est tout le temps en cours avec des professeurs qui en font leur métier. Parfois, il nous manque un peu cet aspect professionnel et c'est très important qu'ils viennent nous voir puisque c'est grâce à eux qu'on répond parfois à des questions qui n'ont pas de réponse pour nous et en fait, ils réduisent même nos inquiétudes sur les questions qu'on peut se poser sur l'avenir, le monde du travail. C'est vrai que ça m'a rassurée la conférence de Karine Prêche parce que j'ai vraiment vu comment elle évoluait et comment elle avait aussi galéré pour trouver ses commanditaires et se créer un réseau au fur et à mesure. Là, je suis invitée par l'association Lecture et Loisirs qui me donne un appartement atelier pour 2 mois et une bourse pour que je puisse travailler sur un nouveau projet de livre jeunesse. C'est un peu difficile pour moi de parler du livre quand il est encore en cours, mais ce sera un livre à la peinture cette fois-ci, voilà, dans une esthétique très différente de celle du Centre du Monde, beaucoup plus figurative. Et donc là, je fais beaucoup d'essais de peinture en ce moment, voilà, et je travaille un peu l'écriture aussi. Je suis très contente qu'il y ait des choses qui se fassent encore culturellement malgré la situation et je suis heureuse de pouvoir être là aujourd'hui en vrai plutôt que par Zoom. Voilà, donc merci de me recevoir. Les ouvrages de David Le Breton, des éditions Lire à l'Est et de Karine Prêche sont disponibles pour les habitants de Chaumont et pour les Hauts-Marnais dans votre médiathèque Les Silos, au sein des 3 librairies chaumontaises à la Une, Apostrophe et le Pythagore, et puis pour tous les autres qui nous suivent d'ailleurs dans les innombrables médiathèques et librairies indépendantes de France, de Navarre, de Belgique et de Suisse. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission.